Nous avons décidé donc de décloisonner cette école, puisqu'il n'y aura pas de bâtiment, comme la neige l'a dit tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'on essaie de prendre les gens par des sentiments qui nous paraissent honorables, d'essayer de révéler du talent par l'art, par le théâtre, par la manière dont on peut amener ces personnes-là à connaître ce que peut être l'agriculture, les paysans, la pêche, la peinture, la sculpture, la couture, pourquoi pas, tous les métiers qui ont un attrait essentiel à l'hôtellerie et à la restauration. On a une ambition qui est énorme, on a un rêve qui est énorme, c'est celui d'accompagner des gens qui en ont besoin par une manière différenciée qui est, je pense, susciter l'intérêt artistique de chacun. Pour cela, nous allons essayer, et je pense que c'est quelque chose que personne n'a entrepris à l'heure actuelle, cette manière de faire, et la manière de faire aussi des cours d'insertion qui seront donnés par nous-mêmes pour l'instant, puisque nous avons formé des formateurs, bien entendu, mais aussi, surtout, de supprimer les tablettes et les téléphones et distribuer simplement un carnet avec un crayon et une gomme pour qu'on puisse commencer à formater un cerveau, ce qui me paraît être essentiel dans le métier, dans nos métiers et dans tous les métiers d'ailleurs. Voilà.